Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu entendre le titre, j'ai décidé de vous présenter ma deuxième commande Shein. Donc voilà, j'ai tout qui est là. Je vais aussi vous montrer les trois choses que ma sœur a pris. Et voilà, donc je vais commencer par ce que ma sœur a pris. Et après je vous montrerai ce que moi j'ai pris, parce que moi j'ai pris principalement des vêtements. Et ma soeur a pris des bijoux, donc je vais vous montrer ce qu'elle a pris. Donc elle a pris des petites boucles d'oreilles, comme ça, voilà, des petites perles. J'essaierai soit de vous mettre la photo du produit, ou le prix directement, je vais voir. Mais voilà, hop, des petites perles comme ça. Elle a également pris ceci. Alors, comment je pourrais vous montrer ça pour vous? Hop, je crois que ça c'est ce qui se met au pied, je crois une chaîne de pied. Ou... Vous savez comme ça fait sur les mains une bague, ça relie là en bracelet. Là, je crois que c'est soit celle du pied, soit celle de la main, parce qu'elle en a pris aussi pour le pied. Et elle a pris celle-ci également. Donc voilà. Voilà pour les trois bijoux que ma soeur a pris. Faudra que je lui les emmène. Et maintenant, je vais vous montrer ce que moi j'ai pris. J'ai pris quasi que des vêtements. J'ai pris des pulls et deux robes. Voilà, donc je vais commencer par les deux robes. Donc ça c'est pull, ça c'est pull, ça c'est, il manque une robe, ça c'est le pull, ok, pull, pull, pourquoi j'ai qu'une robe, j'avais pris une, j'avais pris deux robes, ah non elle est là, voilà, ah je me disais, j'avais peur qu'il m'ait oublié ma deuxième robe. Donc je vais commencer, je vous disais, par les robes. Donc la première robe, elle est là. Voyez, vous voyez un petit peu le motif. J'adore toujours autant leur petite pochette à Shein. Hop. Je vous mettrai sur le petit i la première commande sur Shein que j'avais faite. Donc là vous avez la petite truc qui va autour de la robe. Et la première robe est comme ceci. Hop. Donc je me recule. Elle est comme ça, avec des petites fleurs. Hop. Et honnêtement, ça me change des robes noires. Donc, voilà comment elle se présente. Je pense qu'elle arrive au-dessus du genou. Donc, voilà pour la première robe. Ça partira au lavage. Ensuite, deuxième robe. J'ai un petit truc dessus. J'ai un bijou avec. Bijou, j'ai même pas fait gaffe. Enfin, je vérifie que c'est pas un de ma soeur, mais normalement non. Hop, je sais pas pourquoi il a pas. Lui, il a pas été emballé comme les autres. Je sais pas. Alors, il y a un petit bijou avec que je vais prendre. Alors, ça, par contre, voilà quoi. Un plastique, deux plastiques, trois plastiques. Ça fait du plastique. Et encore, là, il y en a un quatrième. Et le 4. C'est... Bref, la deuxième robe, elle est un peu dans les mêmes motifs, les motifs fleurs. Voilà, j'avais envie de changer de noir, donc ce que j'ai fait. Et elle se présente comme ceci. Hop. Et voilà. Hop. Et pareil, je pense qu'elle arrive au-dessus du genou. Et avec, il y avait ce petit bijou-là. Donc je pense, ouais, je pense pas que ce soit un que ma soeur ait pris. Je pense qu'il doit aller avec la robe. Je pense. Je sais pas, de toute façon je vais l'ouvrir si la ma soeur, c'est pas grave, mais non. Je me souviens pas qu'elle ait pris ça. Alors ça j'adore quand c'est tout emmêlé. Bref, je le démêlerai hors caméra, mais je vous mettrai une photo une fois démêlé de ce que ça donne. Parce que je pense que ça doit être un bracelet. À mon avis, vu la taille, ça doit être un bracelet. Je vous montre. Enfin, j'essaye de vous montrer. Voilà. Mais je verrai. Il faut que je regarde si c'est à ma soeur ou pas. Je pense pas, parce que je crois qu'avec ces trois trucs. Si c'est à elle, je le remettrai, je lui rendrai. Ensuite, on va passer au pull. Premier pull. Hop. Premier pull, je l'ai pris comme ça. Donc...
capuche noire et le reste gris. Voilà. Hop, je vais essayer de me lever pour vous montrer un peu mieux. Hop. Voilà. Donc voilà pour le premier pull. C'est un peu que je suis en. J'ai pratiquement plus de pull. Donc voilà pourquoi j'ai repassé une commande sur Shein de pull. Deuxième pull. Alors celui-là, je voulais le commander déjà ma première commande Shein. Mais je me suis dit, attends un peu. Attends en fait. Et je sais pas pourquoi j'ai attendu parce qu'il est juste trop beau. Donc il se présente comme ceci. Et ces motifs en fait là, lune, qui m'ont fait craquer sur le t-shirt, enfin sur le pull du coup. Il est trop beau. Trop beau, trop beau, trop beau. Donc hâte d'essayer tout ça. Avant-dernier pull. Hop. Avant-dernier pull, il se présente comme ça. Donc pareil, vous avez toujours la capuche. Hop. Et le pull. Donc il y a tout en bas un motif comme ça. Donc hop, je vous montre. Voilà. Et honnêtement, j'adore. Donc c'est normal, sinon je l'aurais pas pris si j'aimais pas. Et enfin, le dernier pull. À chaque fois, je vous le dis, j'aurais essayé de vous mettre soit la photo du site, donc du site de Shein, soit le prix directement de chaque article. Et le dernier pull, pareil, j'ai craqué dessus. Hop, il est trop beau. J'espère juste qu'il n'est pas trop court sur le devant, vu le comment il est fait. Je vous montre, donc il est comme ça. Et voilà ce qui m'a fait moi craquer dessus. Donc je vous mettrai sur la photo, ça vous parlera peut-être mieux. Mais voilà, il y a un petit, comme un petit nœud là. Et ça rend trop joli. Donc voilà pour ça. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui se trouvent en barre d'infos. Sur ce, je vous fais très gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.